Yeah.
babeli biso nyonso yaka soki oza na moyen ndenge bakangisa biso Angola RDC Brazzaville oyoki kaka yaka présence ya yo ya moto ya Braza eza nécessaire présence ya moto ya Angola eza nécessaire RDC nécessaire toyokani ya jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka te ke nga za kongole ya Braza nga kongole kokabola te na lingomba frontière ezali te frontière ezali mabota nyonso tozali kaka motu moko soki okaboli na miso ya nzambe eza malamu te peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asi ya motema anga na kaboli oza angole anga na kaboli oza kongole ya Braza congo RDC non soki osali bongo obebisi pamba te le trois congo ekotambusa afrike afrike mokili mobimba alors biso tolingi tosambusa wana ndeko lokisa biso Fue socado.
L'objectif, c'est l'éveil de la conscience de l'homme noir. Et nous prenons comme repère le Congo d'Antotila, ce grand royaume qui s'étendait depuis le nord de la Namibie jusqu'au sud du Cameroun. En 1492, quand les Portugais arrivent, ils constatent que le royaume est très organisé, bien structuré politiquement, administrativement et même économiquement. Mais ils viennent pour exploiter les richesses du Congo d'Antotila. Il fallait procéder par un nettoyage mental de certains membres de la cour royale. C'est le roi Nzinga Nkuvu qui est au pouvoir. Ils prennent donc le fils du roi Nzinga Nkuvu, Mbemba Nzinga Wampanzu, qu'ils amènent à Lisbonne pour l'éduquer, lui montrer les avantages de la civilisation européenne. Et quand le travail était accompli, Mbemba revient donc au royaume et après le décès de son père, naturellement, il lui succède. Et c'est à ce moment-là que les Portugais commencent à lui dicter leur volonté. Mais au Congo d'Antotila, ils avaient un culte avant que les Portugais n'arrivent. Il priait un Dieu unique, invisible, créateur de toutes choses. Ce Dieu, il appelait le Nzambiampungutuleno, ce qui veut dire en français le Dieu tout-puissant. Et les lois qui régissaient la société du Congo d'Antotila étaient pratiquement similaires à celles qui régissaient la société hébraïque. Et cette similitude était assez frappante. Parce que même dans les clans, ce que nous appelons nous au Congo, d'Antotila, les Mvilazamakanda, il y en avait 12. En Israël, il y en avait aussi 12. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Mais les prêtres franciscains qui étaient là ont imposé donc le catholicisme au Congo, d'Antotila. Tout ça, ça procédait d'une certaine politique pour arriver à la dislocation du royaume. Et les provinces se sont mises à se rébeller une à une contre le pouvoir central basé à San Salvador, à Mbanza Congo, capitale du royaume. Et c'est ainsi que, finalement, il ne restait plus rien, pratiquement, de ce grand royaume. Mais, parmi les adeptes du Nzambiampungutuleno, certains ont compris qu'il fallait revenir au culte des ancêtres. Donc, c'est parce qu'ils avaient abandonné le culte des ancêtres que le royaume s'était disloqué. Autour d'une certaine prophétesse, une certaine Mafuta, va se constituer un groupe et ce groupe va prier le Dieu comme il le priait avant l'arrivée des prêtres franciscains au royaume du Congo d'Antotila. Et c'est dans ce contexte que naît Mama Kimpa Mvita. On appelle sous d'autres cieux Mama Ndola, Donna Béatrice, cette prophétesse, prêtresse qui est une Nayabingi. Vous voyez sur la banderole, c'est écrit Nyabingi, mais c'est écrit en anglais. On le prononce Nayabingi. Cette femme qui était vraiment ointe, avait vraiment le Saint-Esprit avec elle, parce que parmi les prêtres franciscains qui l'ont condamnée, certains après ont écrit, ont témoigné que cette prêtresse, cette Nayabingi, était vraiment ointe. Quand elle passait, les herbes se pliaient, les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Et finalement, le petit noyau va grandir jusqu'à avoir près de 80 000 fidèles à Mbanza Congo. Et ça commençait à déranger le pouvoir central. Ainsi, un complot va être monté contre Kimpa Vita à l'issue d'un procès sommaire, expéditif. Elle va donc être condamnée à la peine de mort et brûlée vive le 2 juillet 1706 à San Salvador, à Mbanza Congo. Avant que le feu fut mis au bûcher, elle va parler. Elle va dire « Une colombe sortira de mon corps. » Regardez la direction où cette colombe va partir. C'est dans cette direction que Dieu va susciter un roi noir. Ce roi
sera envoyé pour la race noire dans un premier temps et pour libérer les peuples qui sont sous la servitude. Et elle donne le nom. Elle dit ce roi s'appellera Kimba. Et 181 ans plus tard, naît donc en 1887 Simon Kimbangu. On ne va pas s'étendre là-dessus. Ceux qui connaissent, ils savent ce qu'il a fait, les miracles. Finalement, les adeptes les plus irréductibles de Kimpavita vont être déportés vers la Barbade, la Grenade, le Suriname, mais surtout la Jamaïque. Et en Jamaïque, là-bas, le culte de Nzambiampungu, jusqu'aujourd'hui, il existe. Et il s'articule autour d'un concept qui est le Kumina. Kumina, en fait, vient du mot Kuma, c'est-à-dire chasser. Parce que dans le culte des anciens au Congo d'Antotila, l'instrument de prédilection des exorcismes, c'était le tam-tam. Quand on battait le tam-tam, il y avait certains tempos qu'on exécutait pour chasser le diable, pour chasser le mauvais esprit. Et donc ceux-là sont allés avec, ils ont perpétué donc les traditions du pays d'où ils venaient. Et le Kumina aujourd'hui, en fait, Kumina, c'est la déformation de Kuma. Parce que quand ils disaient Kuma, les Anglais entendaient Kumen, 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 et puis finalement ça donnait Kumina. C'est ainsi que vous avez le Kumina en Colombie, au Venezuela, en Bolivie, au Brésil, en Haïti, en Jamaïque, en République dominicaine, à Cuba même. Ce que nous voulons, c'est reconstituer en fait. C'est vrai que les gens sont partis, mais il faut éveiller la conscience d'abord de nous qui sommes ici, parce que les autres sont très avancés. Les Jamaïcains vous parlent, ils vous disent toujours, regardez vers l'Afrique, l'Afrique. Mais en 1921, quand le pasteur baptiste Joseph Webb prêche dans une église, il dit « Un roi est né en Afrique, il est envoyé par Dieu pour sauver le monde noir. » À ce moment, il y a un jeune homme qui est organiste dans la chorale qui s'appelle Marcus Garvey. Vous savez ce que c'est que Marcus Garvey? C'est une icône en Jamaïque. Mais c'est Joseph Webb qui en fait annonce en premier cette révélation que Dieu a suscitée en lui. Alors, en 1927, Marcus Garvey reprend la phrase à son compte. Malheureusement, ses disciples vont dévier. Ils vont penser que le roi que Dieu a suscité, c'est un roi, disons, temporel, politique. Et comme l'Éthiopie, qui s'appelle Kouch, veut dire le pays des hommes noirs. Haïlé Sélassié, qui s'appelait Rastafari Makonnen, le prince, il va être sacré roi, empereur d'Éthiopie, prendra le nom d'Haïlé Sélassié Ier. Et les Jamaïcains ont pensé que c'était ce roi-là, parce que l'Éthiopie n'a jamais connu la colonisation. Les Italiens ont tenté, ils n'ont pas réussi. Donc ils se sont dit que c'était ce roi-là. Mais en fait, quand Dieu suscite un roi, quelqu'un, un libérateur, en fait, il a d'autres capacités qui sont, je ne sais pas s'il faut les appeler métaphysiques, mais moi je dirais spirituelles. Donc ça ne pouvait être qu'un roi spirituel, dans l'ordre de Melchisédek, comme il est dit dans le psaume 110, quand on annonce le Christ qui sera roi selon l'ordre de Melchisédek, donc prince, roi, prêtre et sacrificateur. Donc ils étaient trompés. Mais vous voyez déjà que la révélation de Joseph Webb arrive en 1921, et c'est en 1921 que Simon Kimbangu commence son ministère. Même s'il est court, mais au moins il commence son ministère. Donc nous voulons restituer cette vérité et refaire la connexion avec ceux qui sont partis, leur dire qu'ils s'étaient en fait trompés. Parce que même Haïlé Sélassié, quand il va en visite officielle en Jamaïque, où il est carrément adoré, il est considéré comme un dieu. Lui, il dit, mais moi, je ne me vois pas investi de tous ces pouvoirs de libérateur, de l'homme noir, mais vous m'affublez de tout ces... Mais moi, je ne comprends rien. Donc, lui-même est étonné. Donc, ce roi-là ne pouvait être qu'un roi spirituel. Et nous pensons que c'est Simon Kimbangu. Comme l'avait prédit cette jeune prêtresse, qui avait été brûlée vive à 22 ans, et comme l'avait aussi révélé Joseph Webb. Nous pensons que c'est celui-là. Et nous chantons donc l'éducation du Congo d'Antotila, essayer de rappeler au peuple du Congo d'Antotila les bonnes habitudes, les bonnes mœurs, afin que l'unité se fasse. Et donc, le groupe s'est constitué pour essayer de lancer ce message. Voilà ce que j'avais à vous dire, et je vous remercie beaucoup.
Thank you.
C'est possible? Ça vous dérange pas? C'est toute la délégation américaine qui est excellent.
Merci. S'il vous plaît. Papa Matondo, s'il vous plaît, une courte prière pour l'accueil de notre grand invité. Une petite courte prière. Prions les Seigneurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, éternel notre Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, Papa Simon Kimamou, le Saint-Esprit notre Consolateur. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, de nous avoir gardés depuis le matin jusqu'à 7h du soir. Au moment où nous sommes tous préparés pour accueillir notre frère pays des États-Unis, qui est venu rejoindre le groupe qui a précédé hier, que puissions-nous te dire en ce moment, notre joie est grande. Nous te demandons de bénir tout son séjour ici, ensemble avec nous tous. Que ton nom soit loué, puisse ta volonté t'accomplir parmi nous, pour que tu sois à jamais glorifié et que la paix nous soit accordée aujourd'hui à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le journaliste, vous nous laissez un petit moment, s'il vous plaît. Le journaliste, s'il vous plaît. Papa, we found you.
Saint-Esprit, nous allons débuter notre dîner de gala. Et comme il est de tradition, nous n'allons pas avoir un discours. Nous voudrions simplement dire le sens exact de ce dîner de gala. Il est en fait de tradition kimbangiste pour que tout visiteur, tout invité que l'on reçoit, qu'on le regarde pas seulement au visage, mais qu'on regarde aussi son ventre. Ainsi, son éminence, Papa Simon Kimbangu Kyangani, le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbangiste, vous convie à partager sa table pour que vous soyez aussi compris parmi le sien, que vous vous sentiez réellement chez vous, c'est-à-dire chez votre grand-père, chez votre ancêtre. Ce dîner, c'est aussi la manifestation de la joie de tous les kimbangistes réunis derrière leur chef spirituel, Papa Simon Kimbangu, à l'occasion de la victoire du président Barack Obama qui a été réélu pour la seconde fois. Je crois que c'était aussi une promesse prophétique qui a été pour nous depuis 1921 et sa victoire, c'est pour nous la grande réalisation de cette grande prophétie qui a des conséquences un peu plus importantes. Aussi, on ne va pas faire un long discours. Je crois que vous comprenez le sens de l'importance de ce dîner. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, de la part de son éminence, Papa Simon Kimbangu Kyangani, bon appétit. Et pour débuter, nous allons inviter le maître cook, Papa Gaston, de faire la prière. Et après sa prière, bien sûr, je vous souhaite bonne soirée et bon appétit. No more longer messages. Papa, want to
to everybody. Bon appétit. And we invite Papa Gaston, who is the chief in the kitchen, to say a blessing prayer. Je vous remercie au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Thank you.
Bye.
Vous l'avez fait.